Bonjour les petits chefs. Salut les petits chefs, bonjour Damien et Laurie, comment allez-vous? Bien. Bien, et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. On aimerait souhaiter la bienvenue aux nouveaux visiteurs. Alors, que vous soyez petits, grands, parents, enfants, ou même grand-parent. Ben maintenant, vous êtes un petit chef et n'hésitez pas, allez vous abonner, là, allez cliquer sur la petite cloche grise, comme ça vous n'allez pas manquer nos futures vidéos. Et aujourd'hui, on a une super vidéo à vous faire. On a fait un événement aujourd'hui, c'est lequel? Rétro-néo-vidéo. On a tourné quelques images sur place, on vous laisse regarder ça, puis on vient après parce qu'on veut vous montrer plein d'affaires. C'est-à-dire qu'il pue, il goûte pas bon. Ça sent très bon. Ah, très bon. Là, en ce moment, la pâtisserie ne fait pas justice. Mais normalement, le fruit pue. Ah oui, il y a un arrière-goût après. On dirait le vieil qui est bon aussi qu'on embauche. Là, après quelques temps, t'as un arrière-goût. Et voilà. Voilà, c'était ça notre journée. Avez-vous aimé ça? Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez aimé le plus, vous, là-bas?
Moi, c'était voir des trucs sur les tables, il y avait des choses vieilles, il y avait aussi des jouets que vous avez, puis que vous nous avez donné quand qu'on jouait Damien et moi. Ouais. Puis c'est ça. Et toi, Damien, c'était quoi? Ben, prendre des photos. Prendre des photos parce que là-bas, on pouvait prendre des photos, il y avait un bout de photo, tu te places devant un miroir, puis là, ça prend ta photo. Ensuite, tu peux même aller signer sur l'écran ton nom. C'est un autre couronne, ça fait pas, t'épingras pas trop. Et voilà! Là, on va! Encore ça, la salle référentielle. On regarde en haut ici, la caméra est là. Ok, tu regardes en haut. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Parfait! Là, ce qu'on pourra faire avant d'imprimer la photo, regardez ça, hein? On est-tu beau là-dessus? Les enfants en ont même repris une seconde, la voici. Il y avait des déguisements puis tout en plus, c'était vraiment le fun. C'était 2$. Ça valait la peine. Donc voilà Zéphyr, ils font plein d'événements, ils vont faire des fêtes d'enfants, des événementiels, des mariages. J'ai aussi pris des photos avec la caméra. Ah, c'est vrai, ouais, parce qu'à un moment donné, j'ai dit à Damien, tiens la caméra 2 minutes, je voulais juste envoyer des photos sur Instagram pour montrer qu'on était sur place. Et puis Damien s'est mis à jouer avec l'appareil photo, à prendre des vidéos, des photos. T'as eu du fun à faire ça? T'aimais ça? Oui. Oh, cool! Moi, ce que j'ai aimé là-bas, c'était de voir, bien sûr, toutes les tablées de jouets rétro. Moi, je suis quelqu'un de nostalgique, vous commencez à le savoir. Et puis, quand j'ai vu Alfie 2, le robot, le vieux robot que j'avais quand j'étais jeune, j'ai comme fait « Non! » Mais là, j'ai pas osé demander de prix parce que sinon, c'est sûr, je serais peut-être revenu avec. Il y avait aussi Teddy Ruxpin, un toutou qu'ils ont remis en vente là, il y a pas longtemps, mais il est pas aussi beau que dans le temps, je trouve, aujourd'hui. La fille, là, qui faisait des trucs en laine. Oh, c'est vrai! On a oublié, on voulait retourner à sa table parce que je voulais acheter les cactus en laine. Ils sont super beaux! Il y en avait un avec un chapeau, puis il y avait deux billes en avant. C'est puis, tellement beau ça, hein? Il met un oiseau sur la table. Une chance, j'ai gardé sa carte. Allez voir ce qu'elle fait, c'est tellement nice. L'année passée, ben, c'était pas des cactus qui étaient là, mais c'était toutes des pieuvres, des cornes. Il y avait encore les pieuvres, ouais, comme on l'avait pris à Laurie. Tiens, approche-le. On va le montrer. Comme ça, regardez. C'est beau! Ça, c'est ce qu'on avait acheté l'année passée, au même événement. Moi, j'avais pris un ocarina et un chien dans ma rue. On l'a encouragé beaucoup l'année passée. Cette année aussi, on voulait le faire parce qu'on trouve ça tellement génial ce qu'elle fait. Mais, ah non, on a juste oublié de repasser à la table. Et cette année, elle a fait des cactus. Ouais. Ici, les petites pattes, ils peuvent faire ça et c'est drôle. Ah oui, on voulait parler des YouTubers. Bon, voilà. On n'était pas les seuls YouTubers là-bas. Non. Il y avait Luduc. Oui. Elvino. Oui. Qui était dans le personnage du Joker. Il est nice, hein? On a aussi rencontré un pirate. Jérôme était là aussi. Je pense qu'il a tourné aussi une vidéo sur place. Puis il y avait Richie, le projet Richie. Bien du plaisir avec eux. On a parlé aussi avec Eric Paul de Evo Retro. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est plein d'accessoires pour la Nintendo Switch ou les jeux rétro. Vous savez, si vous avez un jeu rétro qui vaut cher, ça veut pas nécessairement dire cher monétairement, mais cher dans votre cœur, et vous voulez protéger la boîte, mais ils vendent ça, des plastiques pour les boîtes, des NES, des Super NES. C'est vraiment cool. Puis on a il nous a ça. Offert une belle manette. Une manette pro pour Switch. Fait que attendez-vous à nous voir faire un petit déballage de ça sous peu. Puis là, on parle-tu de nos dépenses un peu? Oh, attendez! Avant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Vous savez tous que j'aime Ghostbusters? Et qu'est-ce que je tiens ici? Un macaron. Oui! Slimer. C'est Elvino. Elvino. Qui l'a fait puis qui me l'a offert. Merci beaucoup, Elvino, encore. Il sait que j'aime Slimer, que j'aime Ghostbusters. Puis il m'avait même dessiné une fois, je vous avais montré ça sur nos réseaux sociaux. Regardez le beau dessin qu'il a fait. C'est beau, hein? C'est moi avec Slimer. C'est vraiment nice. Merci, Elvino. C'est super cool de ta part.
Puis faut qu'on se fasse une vidéo ensemble à un moment donné, là. Ce serait cool. On a eu des petits macarons. Ouais, les enfants, ils ont vu les macarons de Harry Potter. Harry Potter. Tu peux aller monter le tien, Laurie? Moi, c'est Gryffondor. Puis Laurie, c'est les quatre maisons. C'est Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Cerberus. Puis c'était 3 pour 5$. Puis, fait qu'on a pris un troisième qui était, en fait, The Walking Dead. Pour papa. Ouais. C'est fait par ça. Au bal masqué, ohé, ohé. Ils vendent des bonbons, des macarons, des boucles d'oreilles aussi, regardez ça. Des belles boucles d'oreilles Lillipop. Ça, c'est des palettes de... Peinture. Oui, puis le carton. Lillipop. Ils vendent aussi des tasses, des verres. Ouais. On a vu une tasse d'Harry Potter. Pour café. Plein d'objets geeks. Ouais. Puis moi, je me suis payé ce petit pixel art. Oh, il y a des aimants à l'arrière. C'est cool. On peut le coller. Ouais. J'ai aussi acheté des Shopkins. Des Shopkins. C'était 4 pour 1$. Et là, après, le monsieur m'a dit que je pouvais en avoir un gratuit. Lui, c'est cool parce qu'il est transparent. Et ça, c'est le quatrième. Là, c'est le lui gratuit. Et ici, on peut ôter le tiroir. Moi, j'ai pris des Lego Harry Potter. En premier, on en a pris 3. Là, après, la madame a dit, vous pouvez en prendre 2 autres. Puis vous en allez en avoir un gratuit. Puis à place de 25$, ça c'était à 20. Et pour terminer, moi je me suis payé ce petit Tiny Toons Adventure sur Sega Genesis. Donc j'ai bien hâte d'aller essayer ça. Et puis, pour terminer cette vidéo-là, tu sais, tantôt on disait qu'on avait oublié de retourner à la boutique de Laetitia. Eh bien, en fait, on avait quand même acheté un sac surprise à Laurie. Ici, il y a une petite fleur qu'on peut accrocher. C'est une petite pince. Ouais. C'est cool, hein? Je pense que c'est elle aussi qui les fait, les fleurs? Je pense que oui. Alors, tu veux-tu déballer ça? Oui. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Attends, je veux pas que tu te blesses avec les broches, là. Hey, il y a beaucoup de tours! Bon, ah, ok, attends. Je vais juste enlever les petites broches pour pas que tu te blesses en te mettant la main dans le sac. Ok, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit personnage. Minecraft. Cool. C'est drôle. Oh, on a un pony qui peut s'accrocher, même. Lui, je l'ai pas. Ouh, miam miam, c'est des bonbons. Et le pony, c'est un pony dans My Little Pony qui peut s'accrocher. Ouais, c'est cool ça. Il y a un macaron, c'est un œil. Ouais. Ok. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Ben, je m'attendais pas à ce que ça soit un œil. Ok. Après, il y a. C'est trop mignon. C'est des collants. Ça achète des collants. As-tu d'autres choses? Oui. Des petits bouts de Oh, wow! Ah, ça, c'est une nice quand même. Wow! Combien c'était? C'était 2$ le sac? Y'a plus rien. Ben voyons, il y a plus que 2$ là-dedans. Ça vaut la peine. Juste ces boucles d'oreilles, là, c'est vraiment nice. Wow! Vraiment cool! Alors, c'est Laetitia Artiste. Vraiment, ça vaut la peine. Alors voilà, c'était notre visite à Retro Neo Vidéo. J'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo. Et puis, surveillez Retro Neo Vidéo parce que ça revient là à peu près aux 6 mois. C'est 2 fois par année, cet événement-là. C'est super cool. Jean-François, il travaille fort pour nous donner 2 fois par année ce super événement-là. Et puis, voulez-vous y retourner l'année prochaine? Oui.
Ouais, je dis l'année prochaine, là, mais ça va peut-être être dans 6 mois, vers le mois de mai. Mais on va être quand même en 2019. Ouais, c'est alors, bien. Oui, l'année prochaine. Oh là là! Ouais, oh là là! Bon, bon, hein, papa, hein? Fait que voilà! Merci beaucoup, Jean-François, pour l'invitation. C'était super cool, agréable. On a eu du fun avec tout le monde là-bas. Puis, on se dit rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Bye! Bye bye, chef! Pourquoi tu te caches? Ok. C'est tellement le fun! Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.